Est-ce qu'on se tente le storage ou est-ce qu'on va essayer de continuer l'histoire? Parce que là on a récupéré pas mal de choses, c'est pas mal, mais je sais pas si on revient ici ou pas après. Bon, allez, on va essayer. Et puis si ça va pas, bah on ira de l'autre côté tranquillement, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, on va se mettre près de la lumière. Qu'est-ce que tu me dis? Memento. Ah, une clé importante est cachée dans la chambre des... Dans la clé des guests. Je l'avais pas vue celle-là. Donc on va retourner dans la clé des... dans la chambre des guests, enfin des invités, et on va voir si on trouve cette fameuse clé. Parce que ça m'interpelle en fait. Et je n'ai pas trouvé la clé. Je veux savoir pourquoi je suis pas rassuré de voir un morceau de cadavre devant la porte en fait. Ça, je peux pas y déplacer. Non, ça, je peux rien y faire. Ça c'est pas ça. Si vous avez une idée, là pour la clé, je suis preneur parce que alors. Parce que j'avoue que je sais pas du tout où chercher. Pas l'air d'être là. Je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être cette clé. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de clé là.
Mais ça m'étonnerait que ça soit aussi simple que ça, hein, mais est-ce qu'il y a un bouquin? Non plus. Qu'est-ce que je peux saisir sur le lit? Ah, peut-être les coussins, ouais. Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Hein, peut-être. Non, je peux toujours rien prendre de plus, hein. Alors, est-ce qu'il faut que je clique sur un peu tout La rigueur, ça serait peut-être dans ce placard là, celui qui est couché. Mais je peux pas attraper d'y avoir. Juste actionner ça. Ouais, le lit c'est fait, mais j'ai rien de... C'est en fait pour me parler des cauchemars que je fais, mais je cherche à comprendre. C'est dommage, j'aurais cru sur le coup qu'il était dans le pot. Y a pas un autre pot comme ça? Non, y a rien d'autre. On est bien dans la bonne salle, il me semble. C'est bien la chambre des invités ici. Niveau cheminée, j'ai regardé. J'ai pas regardé dans la cheminée, non, mais. Cheminée là. Non, ça a pas l'air non plus, hein. Je vois pas.
problème, c'est comme je sais pas si ça sert pour le. Si ça sert pour l'histoire ou pas. Parce qu'aussi bien on peut gagner 100. Hein. Je peux rien faire au niveau de cette cheminée. C'est quoi ça? Alors normalement je peux l'attraper et lui faire une rotation. Ah, est-ce que je peux faire ça avec les tableaux? Non. Et ça? J'avoue que là, je sèche. Oui, c'est un simple crochet dans l'armoire, oui. Simple crochet là. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Eh ben, elle était là. Ok, donc ça c'est fait. La clé est trouvée. Alors on pourra aller dans la mèche, dans le. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Celle-là, on l'a, la clé. Et puis, bah, la storage, on ira voir peut-être plus tard, je sais pas. On va déjà avancer. Alors, voyons voir. Alors, je sais pas s'il y a un intérêt du tout à venir ici, hein, qu'on soit bien d'accord. July 1839. Today, I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Ok, donc apparemment,
Dès qu'on essaye de savoir ce qui se passe de cet orbe, ça finit en mort, semble-t-il. Adéquatio Precious. Apparemment, il faudrait avoir de la pression, c'est ça? Non, il y a un ordre à respecter. Mais je ne sais pas lequel pour l'instant. Donc, on va observer tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non, il y a, semble-t-il, rien du tout. Ok. Donc il va falloir allumer peut-être la machine là-bas en bas. Et regardez. Ouais, ouais, faut certainement qu'on mette en route la machinerie pour être sûr de pouvoir descendre avec l'ascenseur. Book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Ok, donc apparemment, pour savoir ce qui se passait, on a... Qu'est-ce que c'est ? Ok, on a essayé, alors on va peut-être se mettre près d'une lumière et on va laisser ça pour que j'explique. Donc, on a envoyé des lettres à toutes les personnes qui étaient dans le livre de Monsieur Herbert, en tout cas dans son carnet d'adresses. Bon, les réponses étaient variables, il n'y a que le baron qui nous a dit « Je sais, je peux vous protéger ». Et donc, bah, à partir de là, ça a causé un peu d'intérêt. Et puis aussi un peu de peur, savoir pourquoi on doit être protégé. De quoi? Par qui? Qui peut nous en vouloir? Donc on a plein de réponses, de questions pardon, qui ont fait leur apparition, mais des réponses pas beaucoup. Alors, machine equipment memo. Alors, note qu'il y a seulement qu'il y a que deux éléments, enfin deux bâtons. Dans le storage for elevator machinery. Make sure the only discard. Ah, d'accord, ok. Donc apparemment, faudrait... Je le sens pas bien.
Parce qu'on doit avoir trois bâtons qui doivent venir là-dedans, semble-t-il. J'avais pas vu celui-là. Et donc, il y en a qui seraient là où on voulait pas aller, justement. Et donc, il va falloir certainement qu'on y tourne. On va voir ce qu'il y a là en dessous déjà. On va faire un peu le point. Their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Ok, donc apparemment toutes les personnes qu'on a vues ont eu droit aux jambes coupées, aux têtes pas forcément dans un meilleur état. Ouais, d'accord. Donc là déjà, on doit aller chercher du matériel. D'accord, faut mettre quelque chose à brûler là-dedans. Ok, à lever. Ok, donc on a trouvé la première. Ok, ça c'est bon. On sait où elles sont les autres, on va aller les chercher. On va essayer de garder quand même notre huile un maximum. Troisième était juste là. Alors attends, Machinou, tu n'avais pas qu'une sorte de panneau juste au-dessus pour mettre le mécanisme que tu as trouvé? Ouais, ouais, juste à l'entrée. Enfin, ouais, elle est juste là en fait. Celle-là, elle est bien juste là, oui. Donc là, déjà, on a le mécanisme avec les roues. Pas quelque chose allumé là. D'accord, elle veut plus de trucs avant que ça ne fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans comme bois? Oh merde. Oh, vous me direz, j'en ai encore, mais. Attraper le... Ah bah attends, oui, ça c'est pas mal ça. Bon, on sait qu'on pourra l'utiliser plus tard, ça. On n'en a pas besoin tout de suite. Quelque chose à brûler, mais comment on peut attraper? Ah, ça, bien. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Alors est-ce que ça peut suffire? On va essayer.
qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui peut bien manquer? Voyons voir. On a vu qu'il fallait des choses. Trois bâtons. On avait vu quelque chose tout à l'heure là-dessus. Donc deux éléments dans le storage. Et une inner study room. Mais le study room, on l'a fait. C'est là où il y avait les morceaux de chien coupés. Donc là, il nous manque, ouais, il nous manque clairement les bouts de toutou, quoi. Enfin. Ouais, c'est ça. Ça ne fonctionne pas. Donc faut trouver de comment la faire fonctionner. Donc on l'a fait plus ou moins dans le désordre, mais dans l'idée, en fait, ouais, c'était bien ça. C'était faire les autres portes avant de commencer. Alors il y en a une là-dedans. C'est ça. Donc la study room, elle est ici. Où est-ce qu'elle pourrait être cette chose? Ça avait été ouvert. Ça on y casse pour le plaisir. Est-ce qu'il faut aller dehors et ça serait ça? Non, ça c'est un marteau, ça. Alors, animal experiment, Canis lupus familiaris, autrement dit le chien. Le 12 avril 1658. Après une courte étude, il est clair que l'agitation que l'on trouve dans les humains peut être trouvée chez les chiens. La peur, la douleur induisent du stress qui semble entraîner des réponses endogènes qui causent à l'animal le fait de brûler de l'énergie. Je pense que ça peut servir, que le catalyseur de ce processus, c'est le cerveau. Il est difficile de déterminer exactement ce que c'est, mais je peux le sentir. Ce niveau des gènes cosmiques, c'est un truc comme ça. Il y a un problème inhérent à essayer de récolter de l'énergie depuis une créature sur le point. C'est un signe depuis que la créature. Ouais, quand la créature décède de cet exercice. Je dois raffiner
Je dois raffiner le. Enfin, faire en sorte que le processus de torture. N'a pas. Enfin, il faut faire en sorte que la torture ne demande pas de réel travail. Plus d'expériences doivent être faites. Mais il semble que seulement les humains sont capables de produire suffisamment d'énergie. Ah, il semblerait apparemment qu'ils soient les seuls capables d'expérimenter la terreur de façon assez importante. Alors on est peut-être sujet nous-mêmes à ces expériences, hein. C'est pas ce qui est plus rassurant, mais...